Oh, c'est une belle entrée en zone ça. Et la première de Chamonix, le score. Marinaccio. Quel travail les Savoyards. Les Savoyards qui se sont fait peur sur la première. Avec un magnifique décalage, nettement excentré, fixé sur le palais. Et ça rentre de l'autre côté, et le joueur qui a pu s'infiltrer tout seul. Et c'est Marinaccio qui ouvre le score. Par le les amis sont toujours en difficulté. Et puis ce qui réussit à faire l'arrêt là. Sur vainqueur de duel. Exactement, sur un face au premier Marinaccio. C'est une nasse, ça vole. Le rebond pris par Pierre, c'est ça vole, encore vigilant. Ouais. Ah, la France. Barcella. Gib. Boivin. Magnifique but de Danas. Qui vient sacrifier là sur... Qui vient sacrifier sa balle entre les jambes. C'est... Par l'attaquant, Milan. Et ça fait donc un partout et ça lance le match. Belle sortie de Zanman, dommage, c'est mal contrôlé. Et le but de Charlie là. Sur un joueur qui était esselé. Et ça fait deux. On va avec Pretnard de nouveau. La belle passe là. L'arbitre qui a arrêté un peu trop rapidement le jeu. Un palais qui était encore en course et... Face of Death. Roman. Roman qui progresse avec sa Sabaki. Vas-y, le lanceur. Ah, il fait pas la droite, vas-y. Qui vient sacrifier sa balle hein, une nouvelle fois là, sur un shoot direct. C'est une belle passe, c'est pire ça, Romain. Non, Roxy Sabaki qui doit faire. Vas-y, qui est seul devant la cage. Exactement, ouais. Après, je pense qu'il y avait deux défenseurs qui étaient partis sur Sabaki le long de la bande. Ouais. Et un magnifique placement là, d'Aziz Bahji qui permet aux Amiens de revenir au score. Et ça fait de partout, c'est reparti. Le face-off qui est pris par Amiens. Et c'est récupéré par les Amiens. Ils sont sortis. Boivin, qui progresse à droite. Le Pachou, qui reste sur les genoux, ça botte. Voilà, et il a manqué 40 secondes à venir peut-être
pour remporter ce match. Un mec qui n'est pas rentré tout de suite hein, dans son match, on a pu le voir Robin avec 12 ou 2 heures. Il reste en position sur les deux premiers tiers. Et l'équipe de Chamonix qui n'est pas venue là en touriste, ils sont venus ici avec des attentes et ils ont tout fait pour repartir avec 10 points. Et repartir avec un point quand même, c'est pas un déplacement inutile.